le 21 décembre 2012, une foule de milliers de personnes se dirige vers le mont Bougarac, une petite montagne d'Occitanie dans le sud de la France. Les habitants du coin sont stupéfaits par ce mouvement de foule. Une rumeur venant du calendrier Maya, vieux de milliers d'années, prédit la fin du monde pour l'année 2012. Seuls les individus se trouvant sur le mont seront sauvés. Ce n'est pas la première fois que le mont Bougarac va faire parler de lui. Que cache cette montagne? Aujourd'hui, nous allons explorer un des mystères les plus fascinants de France, le mystère du mont Bougarac. Apparition d'OVNI, base extraterrestre, monde parallèle, fin du monde. Cette montagne de France possède toutes ses légendes. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Codec, je m'intéresse aux plus grands mystères de notre monde. Si toi aussi, les mystères et l'histoire t'intéressent, n'hésite pas à nous rejoindre en t'abonnant. On va enquêter sur cette petite montagne française et voir s'il n'y a pas un petit secret qui se cache derrière. Steven Spielberg, un jeune réalisateur américain, est heureux de la sortie de son nouveau film, Rencontre du troisième type. Ce film est l'histoire d'un homme ordinaire qui devient obsédé par les ovnis après une rencontre et se joint à un groupe de scientifiques pour découvrir la vérité derrière les mystérieuses apparitions extraterrestres. Les apparitions d'ovnis dans le film sont toujours liées à une mystérieuse montagne. Ce film fut un véritable succès à sa sortie. L'histoire du film, écrit par Steven Spielberg lui-même, a été inspirée par une histoire vraie, une histoire qui s'est passée en France. En Occitanie, plus précisément. Le mont Bougarac, une petite montagne de 1200 mètres d'altitude, paraît si calme au premier abord. Selon les scientifiques, ce petit mont est une curiosité géologique. Mais Jamy, c'est quoi une curiosité géologique? Les strates les plus anciennes, datant du Jurassique, se trouvent au sommet, tandis que les plus récentes, du Crétacé, sont en bas. Ce phénomène rare intrigue les géologues depuis des décennies. Mais vous êtes pas sur cette vidéo pour une curiosité géologique, je vous connais. On veut du paranormal. Depuis les années 50, le mont Bougarac est un haut lieu pour les observations d'OVNI. Des lumières étranges se font voir au-dessus du mont. Pas que des lumières, des bruits sourds, des flashs et des objets en forme cylindrique sont observés. Des centaines de témoignages font état de phénomènes inexpliqués, attirant les passionnés d'ufologie du monde entier. Comme une vidéo précédente que j'ai réalisée sur Roswell, j'expliquais le contexte de l'époque, des années 50. Les observations d'OVNI dans les années 50 ont vraiment explosé. Comme si, avant cette période-là, les OVNI n'existaient pas. En France, c'est au mont Bougarac qu'on en observe le plus. Et si vous voulez voir la vidéo sur Roswell, je vous mets l'affiche juste là. On parle de bases extraterrestres nichées sur la montagne, de portes dimensionnelles vers des mondes inconnus. Tout y passe. Des théories farfelues, peut-être. Mais les nombreux récits de rencontres continuent à fasciner et d'alimenter les spéculations. Pourquoi autant d'observations? Qu'y a-t-il au sommet de cette montagne pour attirer autant d'observations? Peut-être une grosse teuf d'extraterrestres, mais on n'est pas invité. En 1990, Henri Bution achète le domaine de l'abbé Saunière à Rennes-le-Château. Bon, vous allez dire que je me répète, mais j'ai aussi fait une vidéo sur l'abbé Saunière et Rennes-le-Château. Je vous mets l'affiche juste ici, c'est les trésors de France. N'hésitez pas à y faire un tour, si vous aimez les trésors et l'histoire de France. Voilà. Henri a acheté le domaine de l'abbé Saunière pour essayer de trouver ce fameux trésor. Pourquoi je vous parle de Rennes-le-Château? Parce que c'est très proche du mont Bougarac. Les deux lieux ne sont qu'à 32 minutes de voiture. Coïncidence? Je ne crois pas. Henri ne trouva pas le trésor, mais va vivre une expérience troublante en observant le mont Bougarac. Il va observer plusieurs objets de forme cylindrique voler au-dessus du mont. Comme les observations plusieurs années auparavant, un objet de forme cylindrique. Troublé par cette vision, il invita son ami médium Jean de Rigny pour sonder les lieux. La conclusion du médium est claire. La montagne possède une porte invisible en haut du mont. Les extraterrestres l'utilisent comme poste d'observation. Les deux hommes vont médiatiser l'affaire et des centaines d'ufologues vont se ruer sur l'affaire. La rumeur va enfler, une vérité est cachée au plus grand nombre. Les extraterrestres campent dans la montagne. Pour ce qui est des extraterrestres, on n'a aucune preuve encore. Donc, ça reste qu'une théorie. Mais par rapport à la fin du monde, qu'en est-il? Pourquoi cette montagne y est liée? Remontons le temps. D'où vient le nom de Bougarac? Son nom est tiré d'une très vieille légende sur deux lutins. Bouc et Arak. L'histoire raconte que les deux lutins étaient des protecteurs. Dans les temps anciens, les paysans du coin subissaient le vent et la tempête. Leurs récoltes étaient souvent détruites. Pour leur venir en aide, Bouc et Arak auraient alors demandé aux dieux de protéger les paysans de la région et de calmer Éole, le dieu du vent. Les dieux auraient accepté la protection. Et depuis ce jour, la montagne est enveloppée par un voile protecteur divin. Cette légende fait écho à ce qui s'est passé en décembre 2012. En 2012, le mont Bougarac a attiré une attention mondiale en raison des prédictions de la fin du monde. Selon le calendrier Maya. Des milliers de personnes croyaient que la montagne possédait des pouvoirs protecteurs et serait épargnée par l'apocalypse. Le petit village de Bougarac a été envahi par des curieux, des mystiques et des journalistes venus du monde entier.
du RIF, il est messager cosmique et il confirme, oui, il y a bien une activité extraterrestre dans le pic de Bugarach. J'ai pu constater à diverses reprises différents phénomènes, notamment des vaisseaux de lumière dorée, donc qui est de 300 mètres de diamètre. Donc ça, ce sont les vaisseaux de la Vierge Marie, donc qui sont montrés deux fois à moi dans la région. J'ai pu observer la Vierge Marie elle-même, donc elle s'est manifestée sous la forme d'une boule de lumière blanche avec du bleuté à l'intérieur. Des amis à moi ont observé un géant de 3-4 mètres dans un champ à côté. Rien de grave demain, c'est ce que nous assure Sylvain. Il dit être à la fois Merlin l'Enchanteur et le Christ cosmique. Certains faux leaders cosmiques se sont liés à l'affaire pour essayer de se faire un nom. Ça a marché parce que normalement vous connaissez sa tête. Mais est-ce que ce mouvement de foule est lié à la légende des lutins de la montagne ? Pas que. De nombreux visiteurs et praticiens du monde occulte croient que les pierres du mont Bougarak possèdent des pouvoirs magiques. On dit que tenir une pierre de Bougarak ou passer du temps à proximité de la montagne peut aider à équilibrer les énergies corporelles, promouvoir la guérison et améliorer le bien-être général. Il est également dit que les pierres du mont Bougarak peuvent amplifier les capacités spirituelles telles que la méditation, la clairvoyance et la connexion avec des dimensions supérieures. Les praticiens de diverses traditions spirituelles viennent souvent à Bougarak pour méditer et effectuer des rituels en utilisant les pierres locales. Avec tous ces éléments en main, qu'en pensez-vous les amis? Est-ce que tous ces faits qui n'ont rien en commun sont juste une succession de coïncidences? Ou le mont nous cache vraiment quelque chose. Bien entendu, comme tout grand secret, il est précieusement gardé. Mais vous, explorateurs du paranormal, allez-vous trouver la raison de tous ces phénomènes? Quelle plongée dans le mystère, je vous le dis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà visité cette montagne et me dire si vous avez senti des choses bizarres ou observé peut-être quelque chose. N'hésitez pas. Nous sommes bientôt 3000 sur la chaîne, merci pour votre soutien. Je continue corps et âme à essayer de vous sortir une vidéo par semaine. Je vous dis à très vite pour une nouvelle enquête mystérieuse.